Français? Oui, ok. Welcome everybody. This. Ok? Welcome everyone and thank you for joining these art talks. I'm Kathleen Lowe, responsible for the Beaux-Arts Afropolitan Festival. Very glad to have you join us so consistently throughout the weekend and also online. So thank you. We have the pleasure to have with us Johnny Pitts. I think if there's one person who we had to have for this festival of Afropolitan topic, it's Johnny Pitts. He personifies the quest for the search, the quest of the links between the Black cultures and European cultures. I think for a very long time, he's done quite a lot in this direction. And I think I'm going to just scan over quickly your impressive resume. Johnny Pitts is the founder of Afropean.com, an online multimedia, multidisciplinary journal exploring the social, cultural, and aesthetic interplay between Black and European cultures and the synergy of styles and ideas brought about because of this union. You have to know that Afropean.com is part of the Guardian newspaper's Africa network. Johnny was born and raised in the UK. His father is African American, his mother is British. He describes himself as a Northern Soul child, and he's developed up until now an impressive career in television as a writer and presenter on various channels, including the MTV, and currently he's on the BBC. He's a published author, photographer. He's collaborated with author Carol Phillips on a project for the BBC called A Bend in the River, looking at immigration in the UK. You exhibited in Liège in 2003. We had no idea. Interesting. It was 2013, actually. Sorry, yeah, it was 2013, actually. My friend Benedict, who's here today, arranged that. It was a part of a great festival, including Chico Negwe, who was a great Belgian writer, and also Carol Phillips. And you're currently about to publish the travel narrative and photo essay from your travels throughout Black Europe, the photographies of which, or at least a sample of which, we have exhibited here in sorry, in the fumoir, in the hall right here, a few steps away, 40 images of your series. I assume there's much more. So if you don't mind, I'm just going to ask you a few questions about this series, and then we'll take questions from the public. And after you, we'll have a talk with Omar Ba. So we'll do half an hour with each artist. So could you tell us a little bit more about the origins of this idea to travel throughout Europe? And were you intending to publish right away at the beginning, or is this something that came later, or was it an organic project that evolved as you went along? Thank you, Kathleen, and thank you for this incredible festival and the opportunity to speak here. I'd say Afropean is the source of the work in this book is my own life, you know, and then afterwards is wanting to connect with other members of the Black European diaspora, because growing up in the UK, which is this kind of ever more insular island that's sort of physically and spiritually detached from mainland Europe, with not only archaic ideas about its own white heritage and imperialism, Britain kind of still looks fondly upon the days of empire, but also within a Black British community that I wasn't necessarily a part of, because Black British identity is still so tightly woven around its colonies, around its former colonies. It's very Caribbean influenced,
which is changing very rapidly, actually. In 2011, for the first time, people in the national consensus, there were more people identifying themselves as Black African than Black Caribbean. So you're starting to see new aesthetics develop out of this new presence. You know, it's predominantly African now, but also the origin of Black British identity will always have a Caribbean flavor because of the great writers, you know, the great novelists, the great artists who have influenced us all. But I think it's morphing into something a little bit more complex now. And I suppose growing up in 90s Britain, I wanted to make sense of something that was slightly broader than this, like I said, this older idea of Black British identity. And I felt like there was real virtue in connecting with other pockets of Black communities facing issues that were distinct from the rhetoric of the civil rights movement and the African American hegemony within the Black diaspora, which, you know, again, you know, my dad's from Brooklyn. He was brought up a couple of doors away from where the Notorious B.I.G. grew up. So I do feel like I'm very thankful for some of the great literature that has come out of America. But it just felt to me that as Black European communities who didn't have a civil rights movement and who were dealing with countries with very old ideas about themselves, who, most of which had colonies, we were dealing with subtleties and a subtle continent. It's getting less subtle, some of the issues that we're facing, but it's still, it's not very often you see young Black men, well, not as often you see young Black men being killed by police. There isn't this overt, there aren't these overt issues that we're facing, but there are still serious issues that are just perhaps, you know, I feel like Europe's full of glass ceilings and nuances that I feel like only the Black European diaspora understand and know how to tackle. So, you know, initially I didn't know what the form it would take. I was in a music band and I thought maybe it's through music. A lot of my original ideas came from people like Zap Mama, which is the earliest trace of this word Afropean that I can find, is the David Byrne from the Talking Heads, who signed Zap Mama to Luka Bop. And he described coming to Europe and being very surprised by the amount of Black people in Europe. You know, Europe does not export its Blackness very, very much. African America exports its Blackness, but Europe doesn't really. So there are so many people who don't even realize just how big the black presence in Europe is. And so David Byrne mentioned these encounters with fellow musicians and artists, where he described it as a subtle manifesto. He described Afropean as a subtle manifesto. It's a platform from which Black people and white people living in Europe can talk about the issues that we're facing together. And so, you know, Naina Cherry in Stockholm, as well as Stephen Simmons, and then you have Joy Denalane, who's from Berlin, via South Africa. You have Lenubians. And then you have Claude Grunitzky, who set up Trace magazine, who has his own story as well. He was born and raised in Togo, educated in Paris, set up the magazine in London, and then made his, you know, millions in New York. But I didn't know how it was gonna play out. And then eventually, I've always been a writer. It's been the one thing that I've always done, whether through music, writing lyrics, or through script writing in TV, and through long form writing. I got published for the first time when I was 24 by Penguin, who are my publishers now. It just seemed that was the way that I could best express myself. And then I've always taken photographs as well. So I felt like there needed to be this, I wanted to have the photographic evidence of our presence here on the continent. Thank you. Could
we perhaps talk with you a little bit about the photographs themselves. When you first sent us the series, we initially thought that we would want to ask you to use one of the images as a campaign image for the festival. And we looked at them, we loved them, and then we realized there's a certain sadness in the photographs that we noticed. And I don't know if you all think that too, or if you thought that, but then I wanted to talk to you about that, or get your sense of what this is. This something you meant to capture and want to show? What's your opinion about that? I think it's a response to, there's a lot of black photographers who are sort of obsessed or feel, I think we talked about this yesterday, Leonard, whose work is incredible, he mentioned this trap that we sometimes face is we feel like for it to be black photography, we have to put up some kente cloth in the background and dress men as dandies or be all sort of, I don't know, this real pressure to be colourful. And actually, I didn't see that in when I was travelling Europe. I saw people dressed. People didn't always walk around in kente cloth. They didn't always walk around with head wraps either, you know. And I'm not demeaning that, because it's African and there's nothing wrong. But I'm just, I wanted to capture a certain banality, a certain everydayness. And I wanted to capture it as a sort of, I wanted to display black people in Europe in a way that looked like they weren't going to be going anywhere anytime soon, you know. I wanted to display them as people who were here in Europe and who were taking an active role in Europe, weren't just a colourful little splash that's going to fade away or go back to where it came from. These people aren't going back to where they came from because they're a part of Europe. They were born and raised here and educated here, and so I suppose the images try to deal with nuance and subtlety a little bit. And I suppose that's where the moodiness came. It was a very lonely journey. And I was also dealing with what Ian Sinclair calls the poetry of distance, because my whole existence really has been one of liminality, and I've been connected to places, but also on the periphery of them. So, and I think that's important sometimes when you're documenting something. I think when you're too in it, when you're too part of it, you can't see the wood for the trees. But when you're too distant from it, you get sensational images. And so for me, I like that place of, I feel, I'm black, I'm British. I don't feel connected to black Britain as many black British people do. I have African heritage. I did a DNA test recently, and it turns out I'm from the Ivory Coast, you know, yeah. But my dad's heritage is through slavery. I'm connected to this great sort of almost black dynasty. I think Ta-Nehisi Coates called it the Mecca in Europe of sort of black thought, but in America, sorry, yeah, of black thought at Howard University. And I'm sort of connected to hip-hop and the origins of hip-hop through my dad, but again, not as much as other people are. And the same with Europe. Carol Phillips, who's a bit of a mentor for me, wrote a book that was kind of similar to the book that I'm writing, called The European Tribe, in the early 80s. And he talks about feeling of and not of Europe. And So yeah, I suppose that the moodiness comes from a certain distance. I'm not in people's homes. I'm not in people's faces particularly, even, you know, physically and figuratively. You know, I'm at a slight distance, and I suppose the photographs are windows and mirrors. So it's a window into what I was documenting, but it's also a reflection of who I am in terms of my connection to the places that I'm visiting, I think. Thank you. Are there any questions for Johnny? I had another question. Since you mentioned Carol Phillips, and his books were 20 years ago, as you said,
80s, yeah. What do you think has changed since the time that he was writing and what he was writing about then? And how do you see the situation evolving in Europe? I mean, we live in pretty scary times right now, and throughout your travels and in those last 30 years, where do you see it go in terms of racism, et cetera? I should mention that Carroll is very active as a novelist now. He hasn't written about Europe in the same way since The European Tribe, but actually he has written a lot about the Black British experience and also about sort of otherness and being on the periphery. And he's also a professor at Yale now, so his influence is not just through the Black British canon or through his literature, but as a teacher as well. And I spoke to him about this. You know, he opened a lot of doors for me, and this helped this book to happen. And I met him in Liège for the very first time. Actually, he was doing a conference there at the University of Liège, and we were talking about, you know, is it useful to do another book? What has changed? And we found that some big things, some big overarching issues actually haven't changed that much. And you know, in many ways, in Britain and the rise of the far right across Europe, it feels like it's going back to the 80s in lots of ways. And, you know, yeah, still all these glass ceilings that the Black community doesn't seem to have quite penetrated. So not much has changed on that level. What has changed, and I think this is why the mood of the two books is kind of different, and what we both agree to change is that, for instance, when he wrote The European Tribe, there were very few Black footballers. You know, there was nobody like Balotelli to make Italians question Italian identity. So in that very obvious way, musicians, you know, you had Sade, and you had coming through in the 80s, these real amalgamations, and especially the 90s. The 90s was a complete mixtape of sounds and cultures, and so all that came along that really influenced and changed the landscape a little bit. And I think what Carroll found when he was writing about being Black in Europe is that he was Black in white Europe, in a Europe that had very little knowledge or understanding of its Black presence. And I think now on my journey was very much a journey that involved being Black in Black Europe. I'd go and visit places like Rinkeby in Stockholm, which is 70% Muslim and part of the Million Programme in the 60s and 70s, that is really its own thing now, you know. Places like Chateau Rouge in Paris, and then the Banlieue in Paris. I went to Clichy-sous-Bois, and then also an area that probably wasn't anywhere near as established when he wrote the book is Cova de Moura, which is on the outskirts of Lisbon, which is, you know, is for all intents and purposes, it looks like a real favela. You know, it's a favela that's home to a large Cape Verdean community. So I just think in the mainstream and the actual landscape of Europe, I think there is a much larger Black presence. And I think what I wanted to do with the book, even though I deal with issues of disenfranchisement, I also wanted to, like I mentioned with the photographs, is talk to Black Europeans who weren't going anywhere, you know, who were very much a part of Europe and too indelibly woven into the cultural fabric of the cities to be denied by it, you know. As much as Europe tries to, and you know, even Europeans still a synonym for whiteness, for white. And so as much as I feel like Europe sort of is kicking and screaming against its multiculturalism, it's undeniable and it's growing, you know. And so many projections say that by 2050, the average, you know, European will look like me, which is, you know. So I just think it's, you know, I think the cultural landscape of Europe has changed quite a bit since Europe. So even though the issues that those cultures are facing might not have changed, the actual communities have. Thank you. Any questions? Yes.
Thank you for what you're saying. I just want to say that the UK, from a European continental perspective, seems like to be the paradise for black people in Europe. I mean with that the Black Atlantic, There Ain't No Black in the Union Jack, Carol Phillips, all these things were written when there was nobody talking about black people in France or in Germany, or, well, in Germany there was some work still. But the thing is that for me, at least from a Belgian perspective, it seems that the UK is way ahead of what is going on here in Belgium or in Holland or wherever on continental Europe. While you are saying that the UK is very insular, still has a white idea of itself. While I think I see on the BBC shows called Black British, I see things, it seems to me that the UK is very much aware of its black influence or of the black presence in the UK. And it seems to me still to be the case today, but maybe I'm wrong. And I was thinking, like, do you think that the UK has a role to play for the black Europe in general? Why is it always the UK that talks about, I mean, it's not the UK, but it seems that black people in the UK are much more vocal about their presence than blacks somewhere else in Europe. How come, and what are your perspectives on that? Thanks for the great question. Yeah, you bring up a really interesting point. I think it's the way, there are parallels with the way people from the UK look at America. You know, is America a paradise for black people? It's kind of a difficult one to answer, isn't it? There's much more economic power in America, in the black community. The world's top 10 most famous black people are probably American. The type of people that get exported that have across the world, most black people are American, you know. But then, you know, you speak to Americans, and they still think that Paris is the place for black people, you know. And Paris maybe thinks that the UK, you know, London is the place for black people. What I would say is that I think by virtue of London and the UK having one of the largest populations, I think it's the largest population of black people in Europe, there's a presence there, I suppose, and there's a nucleus of thought there. But I mean, in terms of influence, it's all for show. There is no, you know, we're so far away from ever having a black prime minister. We have a upper house of lords, that 1/6 of the House of Lords are non-elected and are from old families that still run the country. We have a queen. You know, we have a, and so we have all these, Britain still very much has a sense of itself as being, to be British means to be white. And, you know, at its best, I suppose, there is some celebration of blackness, but it's always very superficial. You know, where I want, in my lifetime, I'd be very surprised if we see a black prime minister. You know, how many black British politicians can you name? I'm sure you can name artists, musicians, and sports people, but not many. How many black newscasters? Not very many. Black people in these positions of power, it's all for show. I work in TV a lot. I've done a lot of TV presenting. In 10 years working across all the major channels, I haven't worked with one black director. I haven't worked with one black producer. I've worked with one black executive producer, which was a big deal, you know, in 10 years though, you know. So yeah, what I would say about that is I think it's all for show. And I think just for the fact that of the huge empire that Britain had, there is knowledge of, and also the war effort, you know, after, you know, the post-war generation who came to what they thought were the motherland and tried to make a home in Britain. I think there's always been this idea that there are black people in Britain. But
it's all very superficial, I think. And with us being a little island, and you know, we voted to leave the European Union. What's interesting about that is actually 3 out of every 4 black people in Britain voted to stay in the European Union. So the black population actually wanted to stay in Europe, whereas majority of the population in general wanted to leave. And so I think that what that says is that we feel like there's a real necessity now. Well, there always was, really, but to encourage dialogue between with other pockets of black communities around Europe who are facing a continent that, you know, that as a political project is under strain and is going right wing, and there's xenophobia. And I worry that Britain led the way in that, actually. It's a real worry. But, you know, I think more than anything, I think the reason why there isn't a real large American presence within the black community is that there are a lot of African Americans, and I feel like that's the thing that we need to do on the continent now to have a bigger voice and to try and gain some economic power, is to connect with each other, you know. And it's not that, you know, I'm not somebody who's a sort of a kind of black militant who wants to exclude white people from the conversation. On the contrary, I actually want to encourage dialogue, but I think it's really important now that black people connect with each other so that we can bring these issues to the fore, you know. The thing about blackface in Belgium, there's the thing about in Holland, you know, you try and speak to a white Dutch person about that and they just don't get it. They're like, it's, you know, and that's something that I feel like a lot of black people across the continent are dealing with a little bit, is like, you're made to think that you're playing the race card or that you're crazy. But, you know, if someone who's black from Amsterdam tells me about this issue, I'm black from the UK, I know exactly what he's talking about. And UK press can talk about that as well, in black UK press. So I think it's a time to come together as Europe seems to be splintering off. You know, and dissolving a little bit. Well, from a British perspective, I'm hoping that you guys are going to keep your get your shit together in a way that we couldn't. We have a king too, so we have to. There's one more question. Thank you first for also addressing the Zwarte Piet issue in the Netherlands. I'm from Amsterdam, so that we are fighting against it. So we're still battling on, and we should really connect with each other. So thank you for encouraging that. My question was actually more about, you spoke about that it was also a quest for you about being black in the black community. And you said that being black in the black community in the UK was that it was really structured around the former colonies. Can you tell something more about how your position as a British and African American was in that whole quest, and how you we're also trying to find, okay, what is your part within that being black in the black community, for example, in Europe or in the UK? Sort of awkward moments of trying to speak patois terribly. You know, I grew up with lots of friends whose heritage was Jamaican. There's also something, you know, sort of disjuncture between the way I was raised, that my friends almost, there was almost a sort of bragging rights, and I'm not saying this is a uniquely Jamaican problem, but all my Jamaican friends would kind of almost brag about beats, about getting beats, and about this tough upbringing of getting beats. And I never got that. I never got this kind of tough. And I think what that comes from a lot of the time, you know, and again, I think Ta-Nehisi Coates deals with that a little bit, is parents feeling very scared for their children and wanting to discipline them to make sure that they stay in line. And I think that was very much, for a lot of my friends who were from the Caribbean, that was very much a product of their upbringing. Whereas my mom is white English, my father's black, but not the blackness that is considered
you know, black British necessarily. And so my upbringing was just, I tried to sort of, I would even sometimes lie about getting beat, so, or would lie about, and like I said, would try and speak patois, but I couldn't. So I was always slightly, I definitely felt more connected to the black community than the white community. But, like I say, I was just always on the periphery of these stories that I would hear, and also the history that we would get told about in class. You know, Britain almost sort of loves to talk about sort of its empire as how it civilized people, and so it would address the issue of its colonies in the Caribbean. And say, yeah, and then, you know, they came over here and they started this life and life's great, you know. But, you know, that wasn't my heritage. I mean, it wasn't true either, but it wasn't true for Jamaican people. But, so yeah, I was always on the outside of black identity, just through my upbringing, slightly, yeah. I hope that answers the question. But thank you very much. For those of you who still want to ask a few questions to Johnny, I think you're still around for a little while. Okay, thank you very much for being here. Please let us know when your book is coming out. Oh yeah. So my book has been pushed back, unfortunately. It's coming out with Penguin. It's going to be basically kind of spring next year now. But I have a book coming out in French called Le Manifeste de Jeunesse, de la Jeunesse. The Youth Manifesto, and it's all about young people under 20 who are changing the world. And I think we're dealing with all these issues. We're dealing with Trump. We're dealing with Brexit. But you find that it's an older generation who are largely responsible for that. Most young people didn't vote for Trump or vote for Brexit, and so it's in these young people who don't have an investment in existing power structures, to quote Nancy Fraser, who might offer us a new way forward. And that's what this book is about. So that's coming out with Edition Les Arènes in April this year. So that's my next book that's coming out. So thank you. Thank you. And now we will welcome Omar Ba, the Senegalese, Switzerland-based painter who is exhibiting in our Horta Hall. I hope you all had a chance to see his works, amazing work. And my colleague Ayoko Mensa from the Beaux-Arts Africa Desk will be interviewing him. Bienvenue. Thank you.
Allô? Ouais, ça marche. Voilà, merci de votre patience. Nous faisons les derniers petits réglages techniques et nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous. Ce talk avec Omar Ba sera en français. Nous alternons les langues et voilà, ça c'est aussi, je trouve, la richesse de Bruxelles. Pardon. Ouais, voilà. Voilà. Bonjour Omar. Bonjour. Donc bonjour à tous. Je suis Ayoko Mensah, donc de l'Africa Desk. Nous sommes très très heureux de vous recevoir dans le cadre de l'Afropolitan Festival. Je voudrais remercier tout d'abord la galerie Templon, avec laquelle voilà nous avons travaillé, qui est votre galerie ici à Bruxelles, et avec laquelle nous avons travaillé depuis des mois pour pouvoir exposer vos œuvres, notamment dans le cadre du festival. Vos œuvres sont donc dans le Hall Horta. J'imagine que vous avez pu les voir. Elles sont magnifiques. Vous allez en voir quelques-unes là défiler sur l'écran. Bon, voilà, nous allons revenir un peu sur votre parcours, votre travail, bien sûr, et puis laisser ensuite la parole à vous, le public, pour vous, que vous puissiez poser des questions à Omar. On a la chance qu'il soit là. Nous démarrons avec un petit peu de retard, mais nous allons essayer de gérer le temps, surtout pour vous laisser effectivement la possibilité de poser des questions à l'artiste. Omar, est-ce que vous voulez d'abord revenir un peu sur votre parcours ? Ça va être un peu long, mais je vais essayer. Oui. Voilà. Bon, moi, j'ai commencé les beaux-arts à Dakar. J'ai fait l'école des beaux-arts là-bas après 5 ans. Après, je suis allé dans une exposition en Allemagne, à Bonn, en 2003. Et c'est à partir de cette expo que je me suis dit il faut que je fasse quelques études de plus, parce que j'avais trouvé que, en fait, quand je suis arrivé en Allemagne, qu'il y avait une très grande différence entre ce que je faisais ou ce qu'on apprenait à l'école des beaux-arts à Dakar par rapport à ce que je voyais les autres artistes qui faisaient en Europe. Je voyais qu'il y avait un écart et je voulais régler ce problème. Donc, ce qui m'a poussé après à venir faire des études en Suisse. Et puis, voilà, j'ai fait 2 années de master à Genève. Et puis 2 autres années de master dans un canton de Genève, voilà. Et pendant cette période, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé en Suisse, j'étais dans mon atelier, j'étais au Beaux-Arts, je travaillais comme tous les autres artistes. Et j'avais remarqué, en fait, que quand j'avais des rendez-vous avec les professeurs, ils trouvaient qu'il y avait un travail que je faisais qui était intéressant, mais il n'y avait pas de communication. En fait, il n'y avait pas de connexion. C'est-à-dire, ils n'arrivaient pas à rentrer dans mon travail. Et ça, c'était quand même assez pénible, parce que moi, je fais de l'art pour communiquer, en fait. Et puis, si on travaille et puis qu'on n'arrive pas à avoir cette communication, donc il y a un petit problème. Et du coup, j'ai commencé à changer un peu ma façon de faire les choses. Et ça, par le biais aussi d'un des profs qui m'avait conseillé de faire le tour de la ville en Suisse, parce que, comme vous le savez, la Suisse, c'est un pays qui est un peu différent de beaucoup de pays en Europe. La preuve, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, et du coup, donc c'est une culture assez fermée, où tout c'est par groupe. Et donc, à l'époque, ce que j'avais fait, je faisais le tour de la ville et j'avais un carnet et je notais, en fait, tout ce que je faisais, en fait. Si je rencontre des gens, je note. Si je vois des expos, je note. Si je bois un café, je dis, j'ai bu un café. Et au bout de 2 semaines, ben, j'avais des rendez-vous. Et pendant ces rendez-vous, bon, j'amenais pas de travail, mais j'amenais ce carnet et j'expliquais ce que j'ai fait. Et ça, je l'ai fait presque pendant 1 année. Et puis, au bout de la 2e année, j'ai commencé à travailler. Voilà.
Et c'est en ce moment seulement que j'ai commencé à avoir une communication avec les gens, parce que là, j'avais commencé à comprendre la mentalité des personnes et à mixer avec ce que j'avais avant pour pouvoir créer un travail que je fais jusqu'à présent. Voilà, ça c'est un petit parcours de voilà. Merci, oui, qui contextualise déjà un peu votre œuvre. Les œuvres exposées dans le hall Hortin, on voit déjà qu'il y a vraiment une diversité de matériaux. Il y a l'œuvre qui est constituée en fait à base de carton, hein, mm-hmm. avec le mur. Il y a aussi des toiles. Yes. Est-ce que vous pouvez revenir effectivement sur cette diversité de matériaux que vous utilisez, de techniques? Les peintures qui sont dans le hall, la plupart c'est sur carton ondulé, hein, et sur des boîtes de carton. Je suis arrivé au carton au début c'était par des problèmes de moyens, hein, pour acheter la toile, parce que j'étais étudiant, j'avais pas d'argent, c'était dur, donc je pouvais pas me permettre d'acheter des toiles et de ne pas garantir la réussite de ces toiles. Donc pour moi, le plus simple, c'était de travailler sur papier. Et donc, j'ai commencé à peindre sur du papier, parce que le papier, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de contrainte. Donc, si ça réussit pas, je le jette. Ben, si ça passe, ben, je prends. Et du coup, j'ai commencé comme ça à travailler sur du papier. Et en certains moments, j'ai essayé le carton, comme par hasard. Et ça a donné quelque chose. Et en même temps, j'avais plus d'audace, en fait, quand j'abordais le carton. Et du coup, ça m'a donné plus envie d'aller vers cette texture qui aussi au niveau de la techniquement, en fait, c'est du papier, donc ça absorbe plus la couleur, et en même temps, ça m'a permis de faire des superpositions de couleurs et des superpositions de matière, en fait, et puis ce que je ne trouve pas sur la toile, voilà. Du voilà. Point de vue de la conservation, est-ce que le fait que ce soit sur du papier ou du carton pose des problèmes particuliers? Bon, j'aime bien utiliser cette réponse, parce qu'il y a 3 ans, j'étais à Paris, il y avait une exposition sur la collection de la Fondation Stein. Donc, ils ont une très grande collection d'œuvres d'art. Et puis, dans cette collection, il y avait une peinture de Picasso. Et puis, Picasso l'avait peint sur carton. Et cette peinture a plus de 80 ans. Et donc, je me suis dit, si Picasso a réussi à peindre directement sur carton et jusqu'à présent, ça tient. Donc, moi qui utilise du carton et en même temps, je travaille le carton avec une peinture de fond, donc je dois pouvoir dépasser les 80 ans. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas de risque. Donc, le carton, ça tient. Et c'est, voilà, ça peut durer. Alors, on voit effectivement vos œuvres là derrière nous qui sont magnifiques. C'est une esthétique totalement personnelle. Est-ce que vous pouvez revenir effectivement sur votre esthétique et les références en fait qui nourrissent votre art, votre imaginaire et votre esthétique? Moi, je ne puise pas beaucoup sur des peintres, en fait. Moi, mes références, c'est plutôt du côté de la musique. J'écoute beaucoup de musique. Et en même temps, si on regarde bien, la plupart des gens, ils me disent qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, je pense que c'est dû au fait que je n'utilise pas que de la peinture. Je prends tout objet et tous les matériaux qui me passent sous la main. Et je passe mon temps à expérimenter en fait des nouvelles techniques, des nouvelles formes. Et du coup, chaque fois que je termine une peinture, en fait, il y a une suite d'une autre peinture. Voilà. Et du coup, la plupart, j'utilise beaucoup de crayons. Hein, je dessine beaucoup. On voit aussi, j'utilise beaucoup de stylos, hein, des stylos billes. Hein. En fait, je détourne. Des outils qui sont destinés à d'autres usages et que j'utilise dans ma peinture, en fait. Voilà. Du point de vue des,
des thématiques. Il y a des références politiques. Parfois, dans vos toiles, on voit des personnages, effectivement, des hommes politiques ou des militaires, des scènes qui font vraiment référence à des situations en Afrique. Il y a aussi également parfois, souvent même des animaux. Les plumes. Est-ce que vous pouvez nous en dire effectivement aussi plus sur tous ces thèmes qui traversent vos toiles, qui sont votre travail. Ouais, dans ma peinture, en fait, dans mon travail en général, il y a un côté où je mixe l'humain à l'animal, en fait. Et ça, c'est que quand j'ai observé en fait ce qui se passe pratiquement en Afrique ou en Europe ou dans le monde entier, maintenant on le regarde avec les guerres et puis avec des problèmes de famine, des problèmes de réfugiés qu'on trouve et puis tous ces problèmes m'ont poussé en fait à essayer de peindre et de montrer en fait ce côté obscur de l'être humain, c'est-à-dire ce qu'on cache à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire des personnages où on voit des figures mi-homme, mi-animal. Et c'est à partir de ça que des fois on voit des chefs ou des généraux ou des hommes d'État ou des soldats. Parce que dans ma peinture, il y a beaucoup de présence d'outils de guerre, en fait, d'outils, des objets ou qui peuvent faire référence à la mort ou des animaux comme des vautours. Et tout ça, je le mixe, en fait, avec des humains. Et les plumages que j'utilise dans ma peinture, c'est aussi pour amener ce côté doux, pour adoucir, en fait, la peinture. Parce que je parle beaucoup de la violence, je parle beaucoup des sujets assez compliqués, assez durs. Et donc, j'essaye de poser le tout sur un fond assez tendre pour que celui qui regarde accepte et passe du temps à pouvoir mieux appréhender ce qu'il regarde et essayer de comprendre ce qu'il y a sans pour autant juste jeter un coup d'œil et se tourner pour partir. Et voilà, donc voilà. Donc, vous partagez votre temps entre Genève et Dakar. Oui. Vous travaillez aussi beaucoup à Dakar. C'est vrai qu'à travers votre travail, on sent, et vous le dites vous-même, vous êtes très touché et attentif à la situation, on va dire, de votre pays, le Sénégal, mais plus largement de l'Afrique. Comment, en tant qu'artiste, vous voyez cette situation, votre pays, et comment cette l'évolution de l'Afrique aussi nourrit votre création? Oui, en fait, quand on regarde mon travail, en fait, pour ceux qui connaissent l'Afrique ou qui connaissent un peu la culture africaine, en fait, qu'on le veuille ou pas, il y a souvent, et ça tape à l'œil, c'est qu'il y a toujours des références de ma culture, de mes origines, en fait. Mais j'ai pas voulu, en fait, rester juste sur ma culture ou sur mes origines. J'ai essayé en fait de le mixer avec quelque chose qui vient d'ailleurs et quelque chose que je trouve même ici. Et du coup, je fais référence aussi à beaucoup de choses qui se passent, c'est-à-dire sur l'actualité, sur les news, et je le mixe pour donner ce genre de travail. Et en Afrique, en fait, actuellement, je peux dire que, en tant qu'artiste, j'essaye. Et ça, je l'ai remarqué récemment quand j'étais là-bas, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, avant, personne ne voulait amener ses enfants ou avoir une personne de sa famille qui fait de l'art, en fait, ou bien aller faire des études d'art, parce qu'on se disait que ça nourrit pas son homme et que si tu fais de l'art, tu peux pas vivre de ça. Moi, la preuve, quand j'ai voulu aller aux Beaux-Arts, mon frère, hein, il m'avait conseillé de faire la musique parce qu'il m'a dit, ben Omar, comment tu vas vivre avec la peinture? Mais après des années de travail, j'ai persévéré. Et puis du coup, actuellement, les jeunes, ben ils veulent tous devenir artistes. Et maintenant, c'est moi qui les pousse, qui leur conseille de ne pas aller vers cette direction parce que je vois qu'en fait, c'est un chemin assez compliqué, assez dur. Mais très, très passionnant. Et donc, il y a ce risque, tout ce que j'ai vécu comme risque, tout ce que j'ai vécu comme passion, ben, j'essaie de le canaliser pour qu'ils suivent une autre voie. Voilà. Mm-hmm.
Merci Omar. Juste peut-être une dernière question avant de laisser la parole au public pour les questions. Aujourd'hui, vous êtes exposé finalement à travers le monde dans les plus grandes galeries, notamment effectivement en Europe et ailleurs. Vous faites partie des artistes qui sont reconnus effectivement à l'international. Comment vous voyez cette reconnaissance internationale, la place aussi que prend de plus en plus ce qu'on appelle l'art africain contemporain, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette catégorie ou vous la rejetez plutôt? En fait, honnêtement, bon, je ne la rejette pas, mais je suis, si je dis franc, je suis un peu indifférent. En fait, pour moi, le but, c'est de pouvoir faire rêver à une génération, de pouvoir leur donner cette possibilité de dire qu'ils peuvent faire ça. Parce que depuis très longtemps, on voyait peu d'artistes d'origine africaine ou noire, hein, à part les Basquiat et certains artistes, accéder à certains rangs au niveau de l'art. Et maintenant, s'il y a pas mal d'artistes africains qui commencent à pousser, je pense que ça peut être que positif pour la génération qui vient. Voilà. On pourrait dire, puisqu'on est à l'Afropolitain Festival, que vous êtes par excellence un Afropolitain, c'est-à-dire vous circulez entre de multiples cultures, de multiples références, des langues aussi différentes. Ma question par rapport à ça, mais elle m'a traversé l'esprit, c'était effectivement... Bon, là, déjà, est-ce que l'afropolitanisme et ce terme d'Afropolitain vous parle? Oui, ça me parle parfaitement parce que je venais juste de le dire parce que les quelques jours que j'ai passé ici, au début, quand je venais, c'était pour faire cette installation et faire cette expo. Et j'ai passé mon temps à suivre, en fait, les débats et puis à rencontrer aussi des artistes. Et honnêtement, j'ai pas perdu mon temps et je le regrette pas. Et je suis très content d'être là parce que j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de sujets, hein, qui nous préoccupent ou que des questions qu'on se pose. Et ici, j'ai trouvé qu'en fait, on arrive à se poser et à poser des sujets ou bien des questions qui d'habitude dérangent, hein, parce que quand on regarde la situation de l'homme noir dans le monde, on voit bien qu'il y a un réel problème. Et le fait de pouvoir se poser et d'essayer d'en débattre, c'est quelque chose à saluer. Et je trouve que c'est un grand courage et que je suis content d'être ici. Merci. Et voilà, donc en fait, ma question, elle était sur aussi la perception que vous avez sur le rôle de l'artiste et sa situation en Europe et en Afrique. Est-ce que pour vous, finalement, vous sentez, j'allais dire, votre rôle différemment selon que vous soyez en Europe ou en Afrique? Et comment vous voyez ça? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, un artiste, c'est une personne qui a... Oui. Par rapport à votre rôle, à votre statut, même effectivement socialement, en Europe et en Afrique? Bon, je vais commencer par l'Europe, en fait. Bon, avec les années et puis avec cette reconnaissance, hein, j'aime bien utiliser ce mot, hein, voilà. Mais je sens en fait de plus en plus que ça te permet d'accéder à ça t'ouvre des portes, voilà. En fait, il y a quelques années en arrière, il y a des endroits où tu pouvais pas être là-bas, ou bien même jusqu'à présent, en étant artiste un peu reconnu, si je prends ça comme exemple, des fois je suis dans des expos où je fais un travail et puis les gens ils peuvent ils ont des problèmes, ils me disent, mais attends, c'est vous qui avez fait ça? C'est comme si ça devait pas être moi, en fait. Et puis ça révèle que jusqu'à présent, en fait, il y a quelque chose qui est encore là et qui, je pense, ça va s'enlever, mais ça demande un peu de temps. Et si je prends le cas de l'Afrique, je vois que en fait, du point de vue social, ça change parce que tu peux vivre de ton art, tu peux aider tes prochains et tu peux faire rêver à des jeunes et tu peux aussi conscientiser toute une population avec le travail que je fais.
Voilà. Mais je pense que jusqu'à présent, il y a un chemin à faire entre les deux côtés, parce que jusqu'à présent, en Afrique, l'artiste est toujours vu comme quelqu'un qui passe son temps en dehors des musiciens. Mais tous les artistes contemporains, c'est-à-dire les peintres ou les photographes, c'est quelqu'un qui passe son temps, qui a beaucoup de temps à perdre et peut-être qui ne fait rien ou bien qui n'a pas de travail. Voilà, jusqu'à présent. Ouais. Pourtant, c'est vrai qu'au Sénégal, notamment, il y a vraiment de grands artistes aujourd'hui. Effectivement, peut-être ce sont les artistes qui sont les meilleurs ambassadeurs du pays. Pas tout le monde. Mais bon. Merci beaucoup, Omar. Donc, y a-t-il des questions pour Omar sur son travail? Non, pas pour le moment. Le temps que les questions peut-être se formulent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail que vous faites actuellement, des recherches, des projets sur lesquels vous êtes? Actuellement, je suis venu directement de Dakar où j'étais en train de faire un travail sur l'eau. Et c'est un travail de vidéo que je fais et puis j'en fais pas beaucoup. Et c'est une expo qui va se passer à Genève, à l'ONU. Le thème, c'est sur l'eau. Et donc, j'étais parti à Dakar pour interviewer, en fait, une population de la banlieue de Dakar où chaque année, il y a des problèmes d'inondation. C'est-à-dire, avec l'hivernage, il y a de l'eau qui se pose quelque part et puis les gens... Ça pousse les gens à sortir de leur maison et puis à émigrer dans d'autres endroits. Et parmi ces quartiers aussi, il y a beaucoup de jeunes, à cause de ces problèmes, ils essayent de quitter ces endroits pour venir émigrer en Europe. Donc du coup, ça crée une situation catastrophique. Et puis il y a beaucoup de familles qui sont vraiment disloquées et cassées parce que les parents, comme ils n'ont pas de moyens, ils sont obligés de louer des chambres de par-ci et par-là. Et donc, j'essaie de parler de ce côté du problématique de l'eau, mais pas seulement le problème que les gens y passent, c'est-à-dire l'eau qui manque, mais l'eau quand il y a excès d'eau aussi, il y a des populations qui n'arrivent pas à l'utiliser d'une façon très, très positive. Voilà. Ce sera votre premier travail en vidéo ou vous en avez déjà réalisé? Ça sera le deuxième travail, en fait, parce que j'avais fait il y a une dizaine d'années un travail... Ouais, pour une expo au Brésil. Voilà. Là, donc, ça sera la deuxième fois. Exposé au siège à l'ONU Genève. Donc, oui, ça va être exposé là-bas et après, ça va voyager en São Paulo, au Brésil aussi. D'accord, ouais. Merci. Peut-être, entre-temps, parce que le temps est relativement compté, il y a la conférence de Roland Kunst qui va commencer ici même dans quelques minutes. Donc, si vous avez des questions pour. Pour Omar, il faudrait vraiment vous signaler maintenant. Sinon, évidemment, on peut aussi continuer la conversation, la discussion, mais effectivement hors plateau pour laisser la scène à Roland Kunst pour sa conférence très attendue. Je voudrais vous signaler ce magnifique livre, sur l'œuvre de Omar Ba, qui a paru, que l'on peut trouver, je crois, à la galerie Templon. N'est-ce pas? Voilà, vous rappelez donc la galerie Templon à Bruxelles et à Paris, expose régulièrement l'œuvre d'Omar Ba, et donc vous pouvez trouver ce livre-là. Merci beaucoup, Omar, et merci à vous. Le festival continue pour sa dernière journée, et c'est bientôt la conférence de Roland Kunst. Merci.